Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue au Cabaret Africain. Nous voulons vous proposer une petite virée en Afrique pour ouvrir le couvercle de quelques histoires tropicales, équatoriales, en lien avec le monde. Si vous n'êtes pas content là, retournez dans votre brousse. Madame, ne nous énervons pas. Mais enfin, monsieur, oui. Il y en a assez de tous ces gens qui viennent travailler chez nous et qui n'arrêtent pas de se plaindre. Bah oui, quoi. Tous ces sans-papiers là. Ok. Zen. Vous savez, madame, tout Africain en France n'est pas un sans-papier comme vous semblez le croire. Hey, regardez l'équipe de France. Les 26 joueurs sélectionnés au Mondial 2022, il y avait au moins 15 athlètes d'origine africaine et ils sont français, pur jus, comme vous. Et ces athlètes ont des noms comme Zidane, Benzema, Drogba, Mbappé. Ils font rêver des milliers de gamins ici en Europe, comme là-bas, partout en Afrique. L'Afrique, ça n'a pas été simple pour moi. Je comprends. Oui, mais là-bas, j'ai découvert la richesse des musiques africaines. J'ai tout de même été étonnée de ne pas entendre de musique rebelle comme le rock en Europe, ou bien le rap aux États-Unis, ou même le reggae en Jamaïque. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas entendu de musique urbaine et de rébellion, c'est ça? C'est ça. L'afro-trap, le coupé décalé, le zouglou. Le zouglou, oui. Mais c'est quoi le zouglou? Une plante, un livre, un pays, Madame, ça va, c'est bon. Le zouglou, c'est une musique, le nom est en baoulé, et la traduction, ça veut dire ordure, déchet. Le zouglou a été inventé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et cette musique exprime, comme d'ailleurs toutes les musiques de rébellion en Afrique, exprime le mal de vivre de la jeunesse africaine, du rêve brisé des indépendances, des questions sociales, etc. Et le zouglou est associé à une danse bien singulière. Le mouvement corporel est désordonné, saccadé, et les bras qui bondent dans tous les sens, parfois jetés en l'air, comme pour implorer une divinité invisible, ou piqué en bas, comme pour trouver le sol, la terre, et trouver la solution aux soucis quotidiens. Vous pouvez essayer? Paco, roi des tambours, envoie la sauce. Au château, au quartier du Château Rouge à Paris dans le 18e. Ah bon? Oui. Parce que les Africains font du prêt-à-porter maintenant. Oui, madame. Ah. Aujourd'hui, partout en Europe, on retrouve du vêtement haut de gamme, du prêt-à-porter haut de gamme, taillé dans du tissu, dans la toile africaine ou dans cette toile imprimée
qui a été fabriquée en Hollande, mais qu'on présente parfois comme pan-africain, mais non. Cette toile imprimée qu'on appelle le wax. Wax.